mammifère marin représente notre star, Gisèle. Oh putain. Ouais, d'accord. C'est un véritable triomphe, mais je suis obligé d'interrompre ce début en fanfare parce que, bon, moi j'ai bien vu un mammifère, hein, si tu veux, mais marin, je comprends pas, là, c'est quoi le truc? Elle est bien marin. Ah, ok, bon, il y avait une astuce, alors ok, d'accord. Bon, on accepte, hein, mais je te préviens, je crois que le public va vouloir un numéro, alors ça tu y as droit. Hein. Gisèle, jump. Gisèle. Back. Avec les otales. Comme vous pouvez voir autour du cou, j'ai un sifflet. Ce sifflet me permet de communiquer avec les otales, car elles ne parlent pas français et nous ne parlons pas otales. À chaque coup de sifflet, les otales comprennent qu'elles ont bien fait leur exercice et qu'elles méritent une récompense. La récompense peut être du poisson, bien sûr, mais aussi des bisous, des caresses, des joujoux, tout ce qui leur font plaisir. Une fois que l'otarie comprend que le sifflet est associé à la récompense, nous leur présentons cet objet que nous appelons une target. La target est le prolongement de notre main. Cette cible nous permet de guider les otaries dans tous les pistes que nous souhaitons leur faire faire. Ils ont appris à la suivre depuis leur plus jeune âge. Ici à Walibi Sud-Ouest, nous travaillons en confiance et en respect avec les animaux. Il fait très chaud et si un animal ne souhaite pas travailler, nous respectons ce choix. Et maintenant, nous allons faire une démonstration. Alors, il va falloir des volontaires à Sandrine. On lève la main des volontaires. Eh bien, jeune fille. Bonjour, comment tu t'appelles? Alors, tu regardes le public. Un applaudissement pour Fatima, s'il vous plaît. Alors, Fatima, je vais te montrer. Comme un premier jour avec les otaries, je vais te montrer la target et tu vas la toucher. Très bien. Je kiffe, tu mérites une. Très bien, jeune fille, elle a bien suivi. Tu veux du poisson? Eh oui. Oh, c'est bon le poisson pour la santé? Ah oui. Non, et tiens, on va le garder pour les otaries. Oh oui, c'est bon. Si je te le montre, tu vas la retoucher très bien parce que tu as eu une récompense et tu t'es motivée. Un grand applaudissement pour Fatima, s'il vous plaît. Et bien, avec les animaux, c'est pareil. Chaque exercice mérite une récompense. Ils travaillent avec plaisir. Vous avez compris comment travailler avec les otaries? Oui. Oula, vous êtes endormis? Oui, ils sont chauds. Ils sont chauds. Alors, vous avez compris comment travailler avec les otaries? Oui. Alors, je vous dis à tous un très bon show, merci. Merci à toi, merci beaucoup, Sandrine. On peut l'applaudir bien fort. Je crois qu'elle nous a déjà appris beaucoup de choses. On va rentrer, mesdames et messieurs, dans le vif du sujet. On va accueillir notre premier otarie. Voici Pink avec Eva. Salut. Oh là 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 là, il y a un problème. Il va falloir sauver Sandrine, je crois qu'elle ne sait pas nager, dis donc. Applaudissements pour un premier sauvetage réalisé par Pink, mesdames et messieurs, sur Sandrine, qui va faire de loin, dis donc. Oh là là, ça va pas bien, dis donc. Eva, est-ce que tu pourrais peut-être l'hydrater, oui. Voilà, nous avons retrouvé Sandrine, ça tombe bien, on en a encore besoin pour notre show. Oui, oui, tu oui, on est soulagé. Ah non, non, ça on peut pas faire ça, Sandrine, n'importe quoi, franchement. Hein. Non, on peut pas laisser cette bouteille, est-ce que Pink, oui, pourrait y aller, s'il te plaît? Non. Oui, bravo. Oui, merci. Eh bien, mais qu'il appelle quelqu'un s'il veut pas y aller, alors. Voilà, je crois qu'il m'appelle, on va l'attendre. Ah ben voilà, on accueille Jack, mesdames et messieurs. Jeté par son bruit. Ça va, beau geste en tout cas déjà. Ensuite, il faut la mettre dans la poubelle peut-être.
et ce serait impeccable. Applaudissements pour Jean et merci pour la planète. Merci. Allez, on va commencer. On démarre et en portée réalisée par Eva. Pink pèse 150 kg, c'est quand même pas rien. Allez, on est parti devant vous maintenant. Quelques petites spécificités, voilà. L'autre derrière, elle a les oreilles apparentes. Regardez Pink, c'est pareil, il a les oreilles droite et gauche apparentes, contrairement au phoque par exemple. On voit bien ses petites oreilles. Hein. Et puis Pink, il a vu un petit poisson, il le voit bien sûr. Allez, cette fois-ci au centre, mesdames et messieurs, regardez bien. Les moustaches de Pink, ça s'appelle des vibrisses sur les otaries. Regardez-moi ces belles vibrisses. N'est-ce pas? Si on ouvre sa bouche, il a 36 dents. Il ne s'en sert pas pour mâcher Pink, uniquement pour se défendre ou attraper ses proies. Voilà. Ces belles petites dents. Hein. De Pink. Merci beaucoup. Les petits poissons. Et puis cette fois-ci, on va partir sur la gauche pour une dernière chose et pas des moindres. Ça ne se voit pas très bien quand c'est mouillé comme ça. Mais moi, je vous le garantis, le corps de Pink est entièrement recouvert de poils. Sa fourrure lui permet d'atteindre dans l'eau une vitesse de pointe de 35 km/h, c'est beaucoup. Hein. Merci pour la petite démo, les amis. Et un petit poisson qui va bien, et retour sur la plage. Retour sur la plage, pas pour très longtemps, vous allez voir. Et oui, tout le monde à l'eau cette fois-ci. Et oui, à l'eau, la bonne température, autant en profiter avec un fruit de pouche qui va nous amener Eva devant vous à nouveau. Avec Pink, évidemment. Pink avec Eva. Alors, dans notre bassin, vous l'avez déjà remarqué, on n'a pas beaucoup de vagues, hein, même s'il y a quelques rebouts là. Pour se déplacer, Eva, elle a trouvé une astuce qui marche, moi je trouve, très très bien. Regardez, une sorte de moteur écolo, et le moteur écolo, c'est Pink, bien sûr. Ah, vous avez le droit d'applaudir, parce que vous aimeriez bien y être, hein, moi aussi. Et voilà, ça va tellement vite qu'ils sont déjà de retour, Pink avec Eva. Pour quelques belles figures, regardez bien, la première, ça s'appelle une fleur. Et c'est joli, la même chose dans l'autre sens, sous vos applaudissements. Oui. Et puis enfin, regardez, à portée réalisée par Pink, c'est un véritable athlète de Pink. Applaudissements pour Pink avec Eva. Retour sur la plage maintenant, hein. Mais oui, retour sur la plage, en nageant si tu veux, oui, mais bon, t'as pas envie? Ah, je sens que tu as envie d'y retourner avec Pink. En plus, il est d'accord. Ah bah oui, profite-en. Et oui, encore une fois, le foot push, hein, ça marche impeccablement bien. Pourquoi s'en priver, mesdames et messieurs, hein. Voilà, retour sur la plage, Pink avec Eva. Allez, bon, un petit bisou, ouais. Ça fait partie du dressage, bien évidemment. Je crois qu'il faudrait peut-être faire attention, les amis. Vous êtes sur la plage, là, mais on m'annonce quelque chose d'inquiétant, vous devriez peut-être vous cacher, non? Ah oui, oui. Ouais, faites attention, hein, surtout. Hein. Soyez très, très, très prudents. Hein. Les enfants aussi, de ce côté-ci, restez bien assis, surtout. Je vais faire le requin, toi. Une, là. C'est comme la palmière, il va faire une nageoire. Non, qu'est-ce qu'il galope vite? Qu'est-ce qu'il nage vite? Et là? J'en étais sûr, il y a un requin dans le bassin, on va être obligé d'annuler. Hein. Oh là 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 là. C'est un sacré farceur, hein. Je vous présente Joey le boss.
où est-ce qu'il va? Ah oui, c'est pas de la plage, oui, c'est vrai. Alors sur la plage, hein, quand il fait chaud comme ça, qu'il y a du soleil, qu'est-ce qu'on fait? On se protège, hein. Ça vous le savez déjà, mais alors bon, là, c'est, là il faut se protéger. On se met de la crème, hein. Tu peux t'en mettre un petit peu sans même si tu veux. Et puis Joey aussi, là, hein. Il faut le protéger. Il faut mettre des litres de crème. Ensuite il fait chaud, oui. Ah oui, il faut s'hydrater, on boit bien sûr. Oh, Joey aussi, la soif, hein. il faut qu'il boive. Hein. Il faut éviter les boissons gazeuses sur les otaries, j'ai oublié de prévenir. Bon, c'est pas grave, allez, on continue. Voilà, il faut aller se baigner, oui, maintenant on se baigne après, voilà. Et pourquoi non? Pourquoi non? Il a peut-être tapé son collègue, bon, ouais, ouais, pour être à deux. Ah oui, pour la battle finale, évidemment. Voilà, une nouvelle fois le renfort est demandé, voici Jack. Mesdames et messieurs, rebonjour Jack, je vous présente quand même l'équipe à nouveau. Alors Joey, 9 ans, 270 kg à gauche. À droite, Jack, 5 ans, 140 kg. Eh oui, salut Jack, oui, on peut l'applaudir. Alors maintenant, on est prêt pour la battle finale, on lève les bras en l'air et alors on va taper dans les bimines, c'est parti. Oh là, alors on peut pas annuler, on va demander à Joey si c'est dangereux.
Alors Joey, oui, te cache pas trop comme la dernière fois derrière. Sandrine, ce serait pas mal aussi. Regarde bien Joey. J'ai l'impression qu'ils n'ont rien trouvé encore. Allez Joey, non, il faut bien regarder quoi. Alors Joey, rien du tout. Bon, ben moi je vais demander à Mink, hein, parce que la dernière fois c'est lui qui nous avait bien aidé. Est-ce qu'on peut voir avec Mink alors? Je sais qu'il a toujours un avis là-dessus. Ah, ben voilà l'info qui nous manquait peut-être. Alors Joey pourrait y aller dans ce cas-là, maintenant qu'il a reçu l'information. Si c'est ce que je crois, il ne faudrait pas confier ça à notre Miss Catastrophe, c'est-à-dire à Sandrine. La dernière fois, ça s'était un peu mal terminé. Fais attention avec ça. Ah non, oh là 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 là. Bah, comment on va faire là? Là, on est pas bien là. À la chatouille peut-être? Oui. Ah non, ça marche pas. Ah, t'as une idée, Eva? Oui. Ah, le fa dièse. C'est vrai, le fa dièse, on l'avait. Eh oui, ça avait marché ça. Ah voilà, ça marche. Bah, on est sauvés. Oh là là, on revient de loin. Hein. Désolé, ah oui, non, mais ça tu viens droit. Allez, le public, il faut compter jusqu'à 3, c'est très simple. Attention, on va compter 1, 2, 3. Non, 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 il faut compter beaucoup plus fort que ça, les amis. 1, 2, 3. Oui, et puis ensuite, il faut le faire dans l'eau, c'est dans l'eau que ça marche. Alors, on y va dans l'eau. Alors, oui, qu'est-ce qui se passe? Je vous écoute. Bah oui, je sais ce qu'on a oublié, les 25 ans du parc, bien sûr, ça se fête, ça. Maintenant, tout un petit peu devant vous avec Eva et Sandrine, Pink, Chuck et Joey.